Rendez-vous et notre Facebook Live de ce mois de décembre. C'est le dernier de l'année, on va en profiter. J'ai quelques petites choses très intéressantes à vous montrer. Et donc, on va pouvoir voir un petit peu tout ce que vous avez, tout ce que l'on a dans la gamme pour le moment. Vous avez probablement déjà consulté le catalogue, puisque le novembre et décembre étaient dans le même catalogue. Donc, vous avez l'occasion de voir les produits, mais on va un petit peu les aborder d'une manière un petit peu plus différente et un petit peu plus en détail. Si vous avez des questions, vous savez comment ça fonctionne, vous n'hésitez pas à les poser. J'ai avec moi aujourd'hui Julien, bien évidemment, à la technique. Bonsoir. Et il y a Nathalie qui est là aussi.
aussi et qui va pouvoir vous donner tous les renseignements. Nathalie est toujours présente, mais en général, elle est chez elle pour vous donner tous les renseignements. Les renseignements prix, les renseignements stock, les renseignements tout ça, c'est pour elle, c'est son domaine. Hein? Voilà. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Hein? Donc voilà, elle est là avec moi et donc on va pouvoir voir un petit peu tout ça. Allez, on va commencer, excusez-moi, avec les produits fonds climatiques. Fonds climatiques, je vous ai présenté le mois dernier, il y avait déjà toute une première partie de produits et on a la deuxième série puisque comme vous savez, quand on a des grandes gammes de produits, on les divise et on les répartit sur deux mois. Donc nous avons la deuxième partie des produits fonds climatiques. Alors on a pour ça, on a un nouveau tampon diamant, le voici ici. Je vais le mettre à l'envers comme ça on verra un petit peu mieux les décors. Et vous voyez qu'ici on a des petites choses qui sont vraiment très très fines. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très bien. Et ce qui est très bien, pourquoi? C'est surtout aussi parce que quand on voit les gouttes de pluie, par exemple, vous allez pouvoir facilement le replacer un petit peu à côté et ça va pouvoir se remettre. Et même si vous le superposez un tout petit peu, ça ne va pas du tout gêner. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour pouvoir couvrir toutes les surfaces que vous souhaitez. Au même titre que les branches, etc., qui sont ici, vous pouvez aussi les retravailler et les superposer de manière à couvrir l'espace que vous souhaitez. Vous prenez une partie de la branche, vous prenez la branche complète, vous la placez en deux couleurs, vous la placez une fois, vous la tamponnez une fois avec une couleur plus claire, vous décalez légèrement et vous la faites avec une encre plus foncé, vous avez un effet d'encre qui peut être aussi très très sympa. Donc voilà, vous avez aussi ces éléments-ci ici qui font écho à un classeur de gaufrage que l'on avait le mois dernier. Donc voilà, toutes les plein de petites choses qui sont vraiment hyper sympas. Ça c'est pour le tampon diamant. Et on a aussi un autre tampon puisqu'on a la grande plaque à tamponner. Nous avons aussi des nouveaux tampons maxi. Cette fois-ci, contrairement à celui du mois de septembre, celui du mois de septembre pour le Back to Scrap, où nous avions une planche A4 avec un grand décor, évidemment, ici, on change un petit peu. Et là, vous avez des frises. Donc, toutes ces frises sont toutes en longueur. Et là, c'est aussi quelque chose qui est vraiment très, très intéressant. Vous pouvez bien évidemment utiliser la frise en entier, et là, c'est vraiment parfait. Mais si vous souhaitez le faire sur un petit morceau de papier, ben, vous pouvez aussi le travailler simplement une petite zone du décor sans aucun problème. Donc, vous prenez ce que vous souhaitez. Mais ce qui est particulièrement intéressant, comme ceci avec des grands décors, c'est que forcément, ben, si vous voulez faire une grande ligne, une grande frise, ben, forcément, vous pouvez travailler directement sur la page, pas besoin de calculer des raccords, tout fonctionne bien. Si vous imaginons que vous voulez travailler sur la page, mais que vous voulez laisser les espacements entre les photos, et là, ben, pas de souci, hein, vous coupez simplement un petit papier qui correspond à la hauteur de votre photo, plus l'espacement que vous souhaitez, vous le glissez à l'endroit où la photo doit être superposée, doit être placée sur votre page, vous tamponnez par-dessus le tout, et vous avez quelque chose qui donne tip-top, vraiment parfaitement bien, en deux temps, trois mouvements. C'est aussi très très intéressant lorsque vous avez par exemple des morceaux de papier. Alors imaginons que sur votre mise en page, vous avez envie d'avoir un morceau de papier qui se trouve ici, l'autre morceau se trouve en bas, et vous avez envie de faire, je n'en sais rien, des soleils ou des flocons de neige. Vous allez pouvoir travailler sur toute une longueur de papier, et puis après vous sélectionnez et vous recoupez un petit élément. Alors là, ce qui était aussi très intéressant, c'est que si vous travaillez avec les gouttes, avec les nuages, etc., ou même avec les soleils, c'est que vous allez avoir le raccord du décor qui va se faire parfaitement. Bien. Et là, c'est aussi quelque chose qui est vraiment très intéressant à travailler. Donc ça, ce sont les maxi tampons où vous avez quatre frises que vous allez pouvoir travailler pour certains dans un sens, dans l'autre, comme vous le souhaitez. Alors bon, ben voilà, ici par exemple, quand on voit les soleils, ben, c'est vraiment aussi un décor qui est vraiment excessivement fin. Donc vous pouvez aussi le retravailler. Ce qui est très très joli aussi, c'est que vous placez aussi de nouveau une fois et puis vous allez le décaler légèrement avec de l'encre un peu plus foncée et vous avez encore un effet supplémentaire. Mais vous pouvez aussi retravailler tous les intérieurs, par exemple. On a des petites rondelles, on a des petites choses comme ça que vous pouvez placer. C'est une pelle, c'est une rondelle où vous travaillez avec les gabarits textures, les gabarits, décor rond et vous allez pouvoir replacer le rond au milieu et travailler un dégradé d'encre à l'intérieur. C'est aussi des choses qui sont vraiment super sympas et qui vous permettent aussi de récupérer une couleur que vous avez dans la mise en page, aussi bien récupérer la couleur de la page un peu plus foncée si vous travaillez sur un papier de fond ou vous travaillez sur la page en elle-même, vous prenez dans la gamme de couleurs mais un petit peu plus foncée, ou c'est l'occasion de répéter une petite couleur que vous avez qui est sur vos photos et qui est présente sur chacune de vos photos. Des petites choses qui sont intéressantes et qui vous permettent aussi de faire des choses bien, bien jolies et bien harmonieuse avec l'ensemble. Ça, c'est pour les tampons. On a aussi un nouveau
une nouvelle série de matrices. Et là, les voici. Je vais les mettre à l'envers, comme ça vous voyez mieux. Et donc ici, vous avez aussi différents éléments avec des termes, évidemment, et des mots qui fonctionnent avec le thème fond climatique. Donc ici, vous avez sous la pluie, évidemment, avec un parapluie. Si vous voulez avoir uniquement sous la pluie et pas le parapluie, rien ne vous empêche d'éliminer le contour, hein, sans aucun problème. La même chose avec grand soleil. Vous pouvez très bien utiliser le soleil seul, simplement en recoupant l'élément, les mots qui sont à l'intérieur, ou éventuellement prendre uniquement grand soleil et éliminer le décor qui est autour. Tout ça fonctionne évidemment parfaitement bien, vous pouvez le faire sans aucun souci. C'est quelque chose qui est vraiment aussi très très sympa. Si vous avez la zone qui vient ici avec le soleil, vous le creusez par exemple, rien ne vous empêche de l'enfiler dans une étiquette, dans une bandelette de papier, etc. Vous pouvez le répéter à plusieurs endroits, attacher un ruban autour de ce morceau, de ce soleil, et ça vous donne aussi des effets qui sont vraiment excessivement bien. Donc là, voilà, ça c'est pour les matrices de déco. Dans la série, on a aussi les cascades. Donc on a aussi les gabarits décor cascades. Voilà, ils se les voient oui. Ici. Donc ici vous avez différents éléments. Alors, vous savez comment ça fonctionne. Vous travaillez un puis l'autre puis le troisième. Vous avez ici des numéros. Donc voilà, vous savez exactement dans quel sens ils doivent être mis. Et donc ici vous avez le tout. Vous avez le 2, puis vous avez ici, c'est le, hop, si on est dans le même sens, le 1. Donc, on travaille d'abord les effets de nuages. Vous allez travailler après les effets de pluie, si vous le souhaitez. Vous allez travailler ensuite les éclairs, les branches. Vous travaillez ça comme vous prenez ça comme vous souhaitez. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas parce que ce sont des gabarits cascades que vous devez les travailler en cascade, bien évidemment. Si un décor vous plaît, vous pouvez l'isoler, le travailler comme un gabarit décor, bien évidemment. Et ça, c'est vraiment très, très chouette. L'avantage des gabarits cascades aussi, c'est que vous allez faire un décor et vous allez pouvoir utiliser en superposition sur un décor, même en travaillant en superposition différentes couleurs d'encre. Et là, c'est vraiment très, très bien. Et ce qui est particulièrement bien aussi, c'est de travailler ces gabarits cascades avec la nouvelle plaque à tamponner, puisque quand vous avez la nouvelle plaque à tamponner, vous savez, vous avez les deux petits points qui sont au-dessus, ou alors vous travaillez avec la grille verte, hein, avec les différents éléments, pour pouvoir travailler directement sur votre page. Et donc, du coup, quand vous allez placer, quand vous placez vos gabarits directement dans les petits ergots prévus pour, à chaque fois que vous replacez votre gabarit de au-dessus, ben vous êtes sûr que ça tombe tip-top juste et vous allez avoir quelque chose qui va être parfait sans devoir faire de calcul. Et ça, c'est un confort extraordinaire. Donc voilà, ça c'est pour les gabarits cascades. On a aussi encore deux éléments par rapport à tout ça. On a un machitec que voici. Je vais mettre dans le déballage, comme ça vous verrez mieux. Donc ici, c'est un petit washi tape qui est bleu marine. Et donc, il y a aussi les petites espèces de petites gouttes d'eau qui sont foilées en argenté. Super sympa. Facile à placer aussi un petit peu avec tout ce que l'on veut. On a aussi les stickers. C'est dans les stickers contour. On a ceci. Je ne sais pas si à la caméra, on voit bien les décors. Ah, on voit les abris. Ah, voilà, alors, oui. C'est argenté. Donc, vous voyez, vous avez des soleils. C'est forcément en rapport avec le climat. Donc, vous avez ici, vous avez les petits nuages. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que vous avez non seulement le contour, mais vous avez aussi l'intérieur. Donc, à partir du moment où vous avez un élément, vous avez deux décors. Donc, vous pouvez mettre un contour, parce que je trouve que c'est aussi très sympa, lorsque vous placez un nuage plein, d'avoir un petit en décalage, un petit peu le contour, simplement, ça complète votre décor sans l'alourdir, et ça, c'est vraiment très bien. Donc, vous avez des éclairs, vous avez des soleils, vous avez des flocons, vous avez des gouttes d'eau, voilà, un petit peu tout ce qui fonctionne avec le thème climatique, et forcément, tous ces éléments qui sont placés dans des tailles différentes. Alors, une petite chose aussi, c'est que, imaginons que lorsque vous faites votre mise en page, vous avez envie de placer un petit trait ou une petite languette de couleur argentée. Bien évidemment, vous pouvez travailler avec un stylo bille argenté, etc. Mais pensez aussi à utiliser le bord que vous avez ici. Si vous avez mis quelques décors, vous pouvez utiliser une petite bandelette que vous voulez replacer sur un décor ou peu importe. Vous êtes sûr d'avoir exactement la même brillance. Donc ça, c'est très sympa aussi. Sinon, on a toujours les vignes aussi, hein, donc, qui fonctionnent bien aussi. Donc ça, c'est pour le fond climatique et je n'ai plus qu'un seul élément à vous présenter. C'est ici le seau à cire où vous avez ici ce petit seau à cire là ici avec le soleil.
Vous connaissez le principe des seaux à cire, vous allez faire fondre, là vous travaillez avec le pistolet, ou bien si vous voulez créer une couleur plus facilement, vous travaillez avec le petit godet chauffant, vous allez mettre des petits morceaux de cire, si vous travaillez avec le petit godet chauffant, prenez, faites des petites coupées avec le cutter, ça se coupe très facilement, ou avec une paire de ciseaux, ben, les cutters ça va encore mieux, je trouve, ben, vous faites comme vous aimez bien, vous coupez des petits morceaux, et puis alors vous replacez un petit peu ce que vous voulez pour créer la couleur que vous voulez, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Si vous le placez dans le petit godet, vous le faites fondre. Si vous ne mélangez pas trop fort, vous allez avoir des ombres et un peu un effet marbre. Si vous voulez créer une couleur et avoir une couleur uniforme, vous mélangez puis vous réajustez la couleur au fur et à mesure en rajoutant une petite tranche d'une couleur, une petite tranche. La femme de pharmacie, elle aime bien. Et donc voilà, on joue un petit peu. Enfin, ça fait beaucoup d'une fine, peu importe. Vous faites vous interpréter ça comme vous le souhaitez. Mais vous pouvez aussi créer toutes les couleurs que vous voulez. Et si vous voulez que ça soit vraiment uni, récupérez la couleur que vous avez sur vos pages. Il vous suffit simplement de mélanger bien fort et vous aurez quelque chose qui est très bien. Alors là, vous allez travailler sur, vous allez vous placer un petit peu de cire sur votre plaque média, ou un élément qui est encore très, qui est vraiment très chouette pour moi, encore mieux, c'est de travailler, de le vider sur votre petit tapis de silicone. Vous savez, le petit tapis noir que j'aime beaucoup, ce petit tapis noir sur lequel on place la colle, etc. On travaille avec le papier collant repositionnable, enfin non pas avec le collant, avec le rouleau collant repositionnable qui vous permet de ne pas avoir des débordements de colle partout. Ben, avec tout ça, c'est aussi un tapis sur lequel vous pouvez, sans l'abîmer, verser la cire. Ensuite, vous travaillez avec le seau à cire et lorsque vous allez le détacher, ben, évidemment, comme le tapis est souple, il se détache vraiment très très facilement. N'oubliez pas non plus que lorsque vous travaillez comme ça, vous pouvez très bien prendre, vous glissez, vous faites votre petit tas de cire, et puis après, vous arrivez avec votre seau, vous allez écraser le tout. Si vous avez un bourrelet qui est trop grand et vous ne voulez pas de bourrelet, mais ça dépend de la quantité de cire que vous avez mis, pensez que ça se coupe facilement. Vous pouvez découper tout autour pour n'avoir que la surface plate si vous le souhaitez, parce que vous avez envie de mettre une rondelle. Après, vous avez envie d'avoir quelque chose de plus régulier. Tout ça est possible, vous pouvez bien évidemment le faire. D'accord ? Donc là, c'est aussi quelque chose de sympa. Et par rapport à celui-ci, vous voyez, ici, on a un petit rond qui est central et qui est, je vais dire, non dessiné, donc plat. Donc rien ne vous empêche de coller dessus une perle. Pour coller la perle dessus, il va falloir utiliser une petite pastille de colle pour être sûr que ça tienne. Mais bon, vous allez pouvoir placer un petit sticker aussi, ou peu importe ce que vous avez envie. Mais il y a moyen de mettre un petit décor qui est aussi très, très sympa. Donc voilà, ça c'est pour les produits faux climatiques, ils sont beaux, hein. Il y a plein de choses qui sont vraiment très très chouettes. Je trouve que franchement, ça se met avec beaucoup de choses et ça peut aussi, tous ces décors pris différemment, donc comme le grand, etc. Vous pouvez les travailler aussi avec d'autres décors, mélanger avec d'autres choses, ça fonctionne particulièrement bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez bien aimé tous les produits faux climatiques que l'on a présentés le mois dernier? Vous avez fait des réalisations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont pas mal? Allez, je vous montre quelques petites choses. Ici, je vais vous montrer quelques petites choses par rapport à ça. Voilà, par exemple, ici, une page de nouveau avec fond climatique. Ou ici, on a une page où on a travaillé avec, vous voyez, ici, on a tamponné. Et puis, alors, on a redécoupé un petit peu le tout. Donc, et puis, on a retravaillé avec les scénettes prédécoupées. Et là, vous voyez que sur le fond, on a travaillé avec le tampon. Donc, vous voyez, le tampon a été replacé un petit peu partout côte à côte de manière à pouvoir créer un fond imprimé. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est très sympa. Une fois que ça a été imprimé, les bords étaient cachés avec du papier collant repositionnable et puis on a vaporisé avec de l'encre spray. Voilà. Ici, voilà encore un autre. Ici, voilà, où on a travaillé aussi de manière un petit peu différente, où là, on a tamponné différentes choses, on a travaillé avec les petits décors, etc. Là, vous avez les stickers, hein, voilà, parfait. Là aussi, il y a là, c'est par exemple, ça, c'est les petits flocons qui sont ici. Ce n'est pas fait avec le tampon, mais avec le gabarit texture. Ici aussi, voilà encore un autre modèle, où là, on a travaillé, on a tamponné, vous voyez, sur un demi-rond, on a tamponné le tampon qui était sur le tampon diamant du mois dernier. Ensuite, vous voyez, ici, on a l'élément, la découpe Big Shot, et là, ça a été doublé avec un vinyle brun. C'est sympa, hein? Un petit peu de ficelle, c'est super sympa.
Voilà un autre chose aussi ici, où là, on a travaillé avec un papier imprimé. Là, on a replacé, vous voyez, le tampon frise ici, qui a été travaillé sur un morceau de papier. Une fois que l'on a tamponné, on a délimité une zone, la zone que l'on souhaitait. Un petit peu d'encre sur le côté, on l'emboîte dans le papier, tout va bien. Et là, on a les nuages qui faisaient partie des produits du mois dernier. Et puis, on a combiné le tout avec les nuages en stickers qui sont ici. Les gouttes qui viennent se superposer à la bandelette de papier imprimé, je trouve que c'est vraiment super sympa. Voilà encore autre chose ici, où là on a le washi tape qui est placé, on a retravaillé les nuages qui étaient aussi du mois dernier, et là vous savez qu'avec les nuages, on a l'intérieur et l'extérieur. Ici on a replacé, on a travaillé les nuages comme ceci avec de l'encre d'un côté et de l'autre, ici c'est avec les Gansai Tambi pour essayer de donner un peu plus de volume. Et là vous voyez qu'il y a le washi tape qui est placé comme ceci, et là on a placé le tampon, la frise qui vient se placer ici juste à côté. Et là comme je vous disais tout à l'heure, le fait de travailler sur une grande bande de papier, après on recoupe exactement ce que l'on veut et on est sûr d'être toujours dans l'alignement sans devoir faire de calcul. Donc ça c'est super sympa. Maintenant vous pouvez aussi travailler tout ça pour faire des cartes, hein. Par exemple voilà ici quelques petites idées où vous avez des petites cartes super sympas, où là on a travaillé avec les différents tampons. Là c'est le tampon qui est que je viens de vous présenter, le tampon diamant. Par contre ceci c'est le tampon du mois dernier, donc il y a aussi moyen de faire pas mal de choses et pas mal de choses qui sont vraiment très intéressantes. Voilà, voilà, des petites idées en plus, des petites choses que vous avez peut-être déjà vues, ou bien des nouvelles choses, c'est toujours sympa aussi. Je vais poser ça là, comme ça, hop, c'est hors du chemin. Alors, voilà, des questions par rapport à ça? Dites-moi, hein, sans aucun souci. Plein de petits pouces. Oh, vous aimez bien, alors c'est sympa. C'est parfait, c'est très bien. Donc voilà, ici, on a une autre gamme de produits aussi. Et pour tous ceux qui sont venus au stage au mois d'octobre, on avait tous les produits Osgore. Tous les produits Osgore sont à présent disponibles également pour tout le monde. Donc voilà, pour le gabarit Osgore, c'est un gabarit qui est un gabarit comme ceci. On le voit? Non, pas bien. Tant pis. Tant pis, mais j'ai pris le mien. Il est sale, mais c'est pas très grave. J'ai pris le mien pour vous montrer ce qu'il est. Il faut que je vous donne une petite astuce. J'ai pas pris la peine de le nettoyer, mais c'est pas grave. On voit mieux là comme ça? C'est mieux. C'est mieux. Je vais prendre une page. Comme ça, c'est mieux. On touche la perfection. Allez, donne-moi la bleue marine ici. Est-ce qu'on va avoir la perfection? On y arrive, on y arrive. Allez, alors. Si on y arrive, c'est parfait. Donc là, vous avez un gabarit qui est celui-ci. D'accord? Donc, on a un gabarit qui est un gabarit 30-30, où on peut travailler en rond, où on peut travailler de manière différente. Donc, ça, c'est le gabarit Osgore. Je vais vous montrer après, voir ce que l'on peut faire pour toutes les personnes qui n'étaient pas au stage. Donc là, c'est le gabarit Osgore, et ce gabarit, évidemment, c'est un seul. Il n'y a qu'un gabarit. Alors, dans le complément de tous ces produits-là, on a des papiers imprimés. Des papiers imprimés, comme ceci, ils sont magnifiques. Et de l'autre côté, c'est des galets. C'est splendide. Ceux-ci ici sont foilés dorés. Et là, et on les a. Et il y a deux couleurs. Il y a une couleur un petit peu plus claire et une couleur un petit peu plus foncée. Magnifique papier. Elle travaille bien. Les filles au bureau, là, elle travaille bien. Alors, je vais vous montrer les deux couleurs parce que les deux ensemble, ça vaut la peine. Donc, on a ici celui-ci avec le beige, avec le doré. Vous voyez, on voit la dorure, là, comme ça. On la voit bien. Et de l'autre côté, vous avez les galets. Et puis alors ici, vous avez un autre papier. Donc chaque fois, ce sont des papiers de 8 feuilles. Vous avez 4 feuilles d'une sorte, 4 feuilles de l'autre. Et de l'autre, vous voyez, vous avez un papier qui à la base est plus foncé, hein, qui est lui exactement le même et foilé aussi, doré de la même manière, mais un peu plus foncé. Et par contre, l'autre côté, il est à l'inverse, donc lui un peu plus clair. C'est l'inverse pour le décor. Magnifique. Ce qui ne vous empêche pas de travailler, de tamponner dessus, de travailler les décors. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. C'est vraiment quelque chose qui est facile. C'est passe-partout, c'est neutre, ça fonctionne avec énormément de couleurs, de pages, etc. C'est vraiment quelque chose qui est super facile à travailler. Et n'hésitez pas à combiner. Et même quand vous avez des choses comme ça, vous travaillez sur une page claire, par exemple, vous rajoutez de l'encre rouge, si vous voulez, ou verte, si vous voulez, ou mauve, si vous voulez. Peu importe, tout ça va fonctionner. Hein, on est bien d'accord. Même si c'est avec du bleu, peu importe, tout va fonctionner, on est sur quelque chose qui est excessivement neutre. Donc voilà, ça c'est pour les papiers. On a aussi les scénettes imprimées, et les scénettes imprimées sont détachables. Donc ici, vous voyez, elles sont ici détachables. Oh.
Mais vous dire par rapport à ça, c'est que ici elles sont détachables et elles sont facilement détachables. Alors bon, le problème, c'est qu'il arrive parfois, comme elles sont facilement détachables, que vous n'ayez pas à devoir recouper. Enfin ici, il vous suffit simplement de décaler et ça va, le point de soudure avec le papier va sauter très facilement. Donc il arrive que parfois, dans l'emballage et dans, en envoyant le tout, il est déjà arrivé que l'une ou deux figurines soient détachées. Si c'est le cas, soyez indulgents. C'est aussi pour vous faciliter la chose et c'est simplement pour que s'il n'est pas trop attaché, c'est tout simplement pour que vous n'ayez pas, quand vous allez le couper, que vous n'ayez pas des petits angles qui soient disgracieux. Donc forcément, il y a parfois des inconvénients, donc soyez indulgent par rapport à ça. S'il n'y a pas de pliure, c'est pas très grave, quoi, hein, voilà. Donc ici, ça ce sont les figurines qui sont prédécoupées. Et l'avantage de toutes ces figurines qui sont prédécoupées, c'est que non seulement vous allez pouvoir les travailler, hein, parce que vous pouvez retravailler un petit peu d'encre dessus, vous pouvez les mettre travailler avec des feutres si vous voulez, de la peinture pailletée ou tout ce que vous avez envie, mais vous avez aussi toute une série de choses où vous allez pouvoir décorer. Et imaginons que par exemple vous avez fait une composition, vous n'avez pas beaucoup de zones de décor, mais si vous avez la possibilité d'intégrer une zone comme ceci, alors imaginons que vous allez couvrir par exemple une partie des photos, c'est pas un problème, vous pouvez centrer tout votre décor sur une zone comme celle-ci. Alors vous pouvez évidemment coller, tamponner dessus, vous allez pouvoir faire des dégradés dedans, vous allez pouvoir coller des stickers ou peu importe quoi, mais vous allez vous placer une découpe Big Shot, peu importe, mais vous allez pouvoir retravailler le tout vraiment avec beaucoup de facilité. C'est super sympa à faire. N'oubliez pas non plus que vous pouvez les retailler, bien évidemment. Imaginons que là, vous n'avez pas envie d'avoir toute la longueur, mais vous voulez uniquement vous travailler avec le décor, vous coupez simplement. Imaginons que là, vous avez envie de cette zone-là, mais c'est un peu trop grand, ou bien vous avez envie d'un bord droit, vous recoupez un bord droit dans un sens ou dans l'autre, vous allez recouper, comme ça, il se placera très facilement sur votre mise en page. Donc là, c'est aussi quelque chose de très très facile. Les couleurs sont de nouveau aussi très neutres et très faciles à utiliser. Voilà. Alors ça, on a, donc quand on est dans les papiers, on va voir aussi les figurines silhouettes. Et dans les figurines silhouettes, il y a aussi différentes petites choses qui sont vraiment super sympas. C'est neutre et c'est varié. Donc vous avez des petites choses comme ceci. Et là, vous allez voir qu'on va le retrouver sur d'autres décors. Vous avez aussi ce petit mur-là, ces petites briques-là, ces espèces de murs. C'est vraiment super sympa. Et puis vous avez des branches qui, elles, se placent un petit peu partout. La même chose avec ces petits éléments-ci. Vous pouvez très bien aussi colorer et leur placer en 3D par au-dessus, les superposer, parce qu'elles n'ont pas la même taille, les figurines. Mais vous pouvez aussi très bien retravailler le tout en reprenant un tampon ou quelque chose dessus sans aucun souci. Hein. Ça fonctionne aussi très très bien. Donc voilà, on a aussi toute une série de tampons. Donc là, dans les tampons, on a un tampon comme ceci. Je vais le mettre à l'envers, comme ça on voit encore mieux. Et voyez la finesse des décors. Donc là, c'est super sympa. Et quand vous regardez, on voit aussi le raccord par rapport aussi au scénette imprimé, puisqu'on retrouve aussi toute cette idée qui peut se reprendre d'une manière ou d'une autre et que l'on peut retrouver. Ça veut dire aussi que, par exemple, si vous avez ça, vous avez envie de le tamponner en superposition sur le décor de la scénette prédécoupée, ça fonctionne. Hein. Vous pouvez très bien travailler aussi comme ça pour amener la couleur, pour faire en sorte que tout ça s'accorde bien avec votre mise en page. Donc là, il y a des choses qui sont vraiment très très faciles. Vous avez aussi des choses comme les petites branches qui, elles, vont venir se placer sur tous les éléments, même s'ils sont tout petits. S'ils sont plus grands, vous le répétez à plusieurs reprises, mais franchement, c'est facile à utiliser et ça donne bien. Les oiseaux, j'en parle pas, on en met partout, c'est vraiment facile. Là aussi, de nouveau, il vous suffit de cacher pour ne prendre qu'une partie, ou isoler un élément si vous le souhaitez, ou vous mettez l'ensemble. Si vous voulez rajouter un petit peu, il vous suffit de faire des petits feux avec les feutres, c'est hyper facile, et vous complétez la famille, hein, sans aucun problème. Et là, si vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, mais le mot Osgore, il est aussi super bien. Parce que non seulement vous avez, pour celles qui sont allées là-bas, ou qui vont aller en vacances, etc., il est doublé et à l'impression, ça donne vraiment super bien. Donc voilà, ça c'est pour le tampon mini. On a un autre mini ici avec des effets texture aussi. Et là, c'est comme je vous disais, vous voyez, on récupère un petit peu tous les éléments puisqu'on retrouve les éléments d'une manière ou d'une autre sur différents éléments pour pouvoir créer un lien. Et ça, c'est aussi notre force et c'est aussi ce qui est vraiment, qui donne vraiment très très bien. Donc vous avez différents éléments que vous pouvez tamponner sur les figurines ou ailleurs comme vous le souhaitez. Vous avez des effets texture qui sont vraiment tout fins. Hein, si on retourne, là, on a des choses qui sont vraiment toutes fines.
alors on a des choses qui sont un petit peu plus prononcées. Évidemment, tout dépend de ce que l'on a envie de faire. Alors, imaginons que vous travaillez avec ceci en effet texture, ben, vous avez des éléments un peu plus grands que vous pouvez retravailler, même éventuellement sur une forme ronde, sur un petit morceau de carré, de papier carré, que vous allez mettre en 3D par-dessus pour faire un rappel. Vous rajoutez un ruban, une ficelle, une petite perle, boum, le tour est joué. Et vous avez quelque chose qui est très sympa, une scénette qui est complètement personnalisée. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très bien. Et dans le troisième tampon, c'est un petit tampon rubis avec des mots. Et donc là, on a des mots qui correspondent à la région. Donc voilà, direction sud-ouest, dune de sable, plage, vague. J'aime le Pays basque. Bon ben voilà, si vous n'aimez pas, vous mettez simplement le Pays basque. C'est pas très grave, vous savez ce que vous avez envie, mais il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas. Donc voilà, mais bon, ceci dit, quand vous avez des zones comme ça, on n'a pas toujours la possibilité de sa mise en page, de mettre le tampon comme ça, mais n'hésitez pas à le placer, à placer les mots pour en faire une ligne par exemple, ou bien vous prenez, on mélange tellement les polices que vous pouvez très bien prendre différents éléments et prendre différents éléments de tampon pour pouvoir créer la phrase que vous souhaitez. Ça fonctionne aussi. Ça va? Donc ça, voilà pour les tampons. Et puis alors ensuite, on a aussi on a aussi les classeurs de gaufrage. Donc les classeurs de gaufrage, ce sont deux petits classeurs de gaufrage qui là de nouveau, vous voyez, on a de nouveau le raccord avec le tampon et les figurines silhouettes. Donc ça, c'est super chouette. Et ça fait un gaufrage qui est, on ne voit pas le dessin, on ne le voit pas bien. Enfin, vous imaginez bien, n'oubliez pas que dans les gaufrages, vous pouvez toujours faire les deux possibilités. Soit vous faites le décor qui ressort, soit le décor qui est creusé. Donc là, sans aucun problème, il vous suffit de mettre le papier dans un sens ou dans l'autre. Moi, personnellement, quand j'ai envie de faire, par exemple, mon gaufrage, par exemple, je veux le faire bomber ou peu importe quoi, mais pour être sûr de pouvoir le mettre dans le sens que je souhaite vraiment, parce que parfois, quand on a fait une découpe et puis qu'on prend notre petit papier qui est découpé, et bien, le placer dans le bon sens, il arrive régulièrement qu'on l'a gaufré dans le sens que l'on ne souhaitait pas. Je mets toujours une croix au crayon au verso de ma page, comme ça, ça me permet, verso de mon papier, comme ça, ça permet toujours de chercher l'effet par rapport au beau côté sans me tromper. Juste un petit truc comme ça, mais ça fonctionne bien. On a aussi un petit gabarit bordure. Là, je vais reprendre la page pour pouvoir le mettre. Donc là, vous le voyez bien à travers l'emballage. C'est un petit gabarit bordure. Donc vous pouvez travailler sur les côtés uniquement ou bien vous travaillez et vous le déplacez. C'est facile de récupérer si vous voulez le placer dans un sens ou dans l'autre. Peu importe si vous voulez le décor droit ou en diagonale, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez couvrir une plus grande zone, il vous suffit simplement de le décaler. Vous avez facile de pouvoir retrouver évidemment le décor pour pouvoir prolonger le tout puisque le décor se répète en permanence. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment facile et qui est vraiment très, très joli aussi. Voilà. Alors, par rapport à tous ces produits-là, je vous ai parlé aussi des pages et du gabarit. On a aussi un set de pages qui est un set de pages, le set de pages que l'on a utilisé au stage. Alors, évidemment, le gabarit va s'utiliser avec, vous pouvez utiliser tous ces gabarits comme toujours avec tous les formats de pages, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu différent et qui est assez sympa. Ici, par rapport à ça, voilà les formats, les sets de pages et voilà les couleurs que l'on peut avoir dans le set de pages. Donc, c'est aussi quelque chose qui est facile. Puisque l'on a le brique, le caramel, le vanille, on a un ton mixte et puis on a le panama. Donc c'est des chouettes couleurs, faciles à utiliser. C'est vraiment quelque chose de très chouette aussi qui fonctionne forcément bien avec les restes des couleurs, avec les scénettes prédécoupées, avec tout le papier, etc. Alors, que lorsque vous travaillez avec ces gabarits-là, il est bien évident que lorsque l'on prend une feuille, j'avais placé une, attendez, je prends. Donc là, par exemple, imaginons que l'on veut travailler avec la forme, le papier ici, avec une page comme ceci. Ben, bon, le gabarit, il n'est pas fait, l'arrondi n'est pas le même. Vous voyez, l'arrondi n'est pas le même sur le gabarit que sur la page. Ça, c'est normal. C'est pas un problème. La seule chose, c'est qu'il faut trouver le moyen de le placer pour qu'il soit juste. D'accord? Donc ici, pour pouvoir travailler facilement, vous allez prendre votre page et sur l'angle qui est ici, donc ici sur la partie où vous avez les perforations et sur le bas de la page, vous allez tracer un trait à 1 cm du bord. Et puis alors ensuite, vous allez prendre votre gabarit et vous voyez que dans le gabarit, vous avez un carré qui est dessiné. Et vous allez positionner, vous voyez, l'extérieur de la ligne du carré, vous allez venir le positionner contre votre ligne de crayon. Et là, vous allez avoir un emboîtement qui va être parfait.
D'accord? Et comme ça, vous êtes sûr de pouvoir le placer comme vous voulez. Et là, ça va vous permettre de faire une tonne de choses, puisque votre gabarit, vous allez pouvoir le positionner comme vous le souhaitez. Alors, ça, c'est bien, ça vous donne plein de possibilités, ça vous permet de faire plein de choses. Donc là, c'est juste pour le confort, comme ça, vous êtes sûr, quand vous faites des pages superposées et prédécoupées, si vous travaillez bien toujours avec cette ligne de crayon-là, vous allez toujours tomber tip-top nickel, donc ça, c'est parfait. Alors, il y a juste une chose, et vous voyez que là, ici, j'ai laissé un papier collant, c'est juste que lorsque vous travaillez comme ceci, vous avez choisi l'emplacement de votre page. Si vous ne voulez pas passer votre temps au fur et à mesure que vous déposez votre gabarit à côté puis vous allez reprendre, si vous ne voulez pas perdre votre temps à rechercher l'emplacement exact de votre gabarit, eh bien, n'hésitez pas, lorsque vous avez choisi votre emplacement, n'hésitez pas à placer un morceau de papier collant repositionnable et à noter, faites un petit point de repère, peu importe, ou rien du tout, hein. Vous notez dessus, ou bien vous mettez simplement votre papier collant repositionnable, ou vous placez un repère toujours au même endroit, comme ça, quand vous reprenez votre gabarit, vous ne devez pas calculer, vous ne devez rien faire pour pouvoir le replacer exactement au même endroit. C'est un gain de temps incroyable, c'est une bêtise, hein, mais ça fonctionne vraiment très bien. Ça vous permet vraiment de faire, d'avoir les choses qui fonctionnent tip-top nickel. Donc voilà, ça c'est pour le gabarit. Et on a aussi dans le reste, dans la dernière, le dernier élément, c'est ici les couvertures. Donc là, on a les couvertures qui sont comme ceci. Donc là, vous avez une couverture qui est ajourée où on retrouve tous les éléments qui sont repris dans les différents tampons, figurines, etc. Et donc là, vous avez la première partie qui elle est ajourée en rapport avec le gabarit. Et vous avez aussi le fond qui, lui, vous voyez, c'est un petit peu rosé, mais qui est en plexi comme ça, mais qui est uni pour mettre au verso. Alors, je vous montre peut-être comme ça. Vous voyez, donc ici, voilà la couleur du verso, vous voyez, ici, hop, il est gris à l'intérieur, c'est la couleur que vous voyez là, à l'extérieur, évidemment, il est dans la même couleur que la page. Et bon, ben, rien ne vous empêche, évidemment, de colorer votre page comme vous le souhaitez. Soit vous travaillez avec la fenêtre et vous en faites profiter une photo, soit éventuellement vous vous créez un décor. À vous de voir, la créativité est au rendez-vous, vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Donc voilà, dans les éléments, il y a aussi un autre... j'ai pas parlé des matrices. Donc dans l'ensemble, mais j'ai oublié quelques petites histoires, moi je suis canaille, hein. Alors dans l'ensemble, vous avez aussi les matrices de découpe, et là vous en avez deux qui sont hyper sympas aussi. Ça c'est hyper sympa aussi. N'oubliez pas que vous pouvez travailler tel quel, vous pouvez couper un demi si vous voulez couper un morceau, vous pouvez aussi le doubler, vous pouvez le doubler avec un rond, en travaillant avec deux ronds concentriques, ou vous travaillez avec un multiple de rondelles pour venir le placer par-dessus. Ça donne super bien, ça vous permet de placer par exemple de l'encre et de travailler un dégradé d'encre sur votre découpe Big Shot. Ensuite, vous le replacez sur une série de rondelles. Comme ça, vous avez les arrondis, enfin, les petits bords qui vont dépasser, qui sont dans une autre couleur. C'est aussi quelque chose qui est super sympa. Là, on a l'espèce de vague qui est là. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de travailler la vague dans l'entièreté. Vous pouvez très bien la couper ou retravailler simplement une partie, prendre une vague complète, ou simplement découper, éliminer des éléments de manière à venir vraiment se placer là où vous le souhaitez. Imaginons que vous ayez un décor sous votre page, vous pouvez très bien découper de manière à ce que le décor vienne se positionner vraiment dans la vague. Comme vous voulez, vous retravaillez l'ensemble, vous reprenez les chutes, vous les replacez sur le côté pour prolonger le tout. Tout ça est possible et vous faites absolument ce que vous voulez. Vous le placez d'un côté, vous le placez même une plus petite que vous venez placer que vous coupez dans du papier métallique, que vous revenez replacer par-dessus ou par-en-dessous pour avoir un effet, un accroche-lumière si vous le souhaitez. Tout ça, c'est aussi des choses qui donnent hyper bien. Donc ça, c'est par rapport aux matrices de déco qui sont vraiment bien. Hein. On a aussi un washi tape, que voilà, avec des petits points. Mignon, joli, tout plein. Donc là, voilà, et vous savez que le washi tape, voilà, il est aussi dans les couleurs de l'ensemble. Vous savez que le washi tape, ben, c'est toujours la même chose, hein. Le washi tape est un petit peu translucide, pas complètement, mais un peu. Donc en fait, la couleur du rendu va être influencée par la couleur de page sur laquelle vous le placez. Donc évidemment, en fonction de ce que vous souhaitez, si vous travaillez sur des pages différentes, ben, si vous voulez que le washi tape soit la même couleur, ben, il va arriver, si vous le placez sur une page foncée, sur une page claire, si vous le placez à même la page claire, si vous voulez le même rendu sur la page
page plus foncée qui est une page qui va faire qui va être dans la même série, bah, vous allez forcément doubler le washi, vous le collez sur un morceau de papier, vous découpez le tout et puis vous allez pouvoir le replacer sur la page et là vous aurez exactement la même couleur. Alors en fait travailler comme ça, ça vous permet aussi de faire de pouvoir le placer en 3D par exemple, de pouvoir éventuellement, vous avez la figurine ici, vous allez pouvoir venir l'insérer dedans si vous le souhaitez. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses que vous ne savez pas faire avec le washi s'il est collé directement sur la page, bien évidemment. Donc ça, c'est encore une autre chose. Alors, le dernier élément... Ah non, il y a encore deux choses. Non, d'une pipe, hein. Mais Domi, je sens que j'ai fait un petit peu... Mais c'est pas grave, on va voir si vous suivez. Allez, on a aussi un petit cachet de cire qui est celui-ci, qui reprend différents petits décors aussi bien typiques du Pays Basque. Donc ici, voilà, on a ce cachet de cire qui est vraiment très chouette. Et puis alors, on a, vous avez vu, hein, que je vais revenir, parce que je fais, hein, je ne suis pas très, très, très organisée. Donc vous l'avez vu, mais vous l'avez vu sur l'album que je vous ai montré. Donc ici, on a les perforations, je vous ai montré les pages, je vous ai montré la couverture. Et ici, on a un nouveau système d'anneaux, qui est ici un système de 3 anneaux. Donc là, ici, vous avez 2 séries. Donc, vous pouvez faire, travailler avec les pages qui sont là. Donc là, vous avez 3 anneaux et vous pouvez les travailler comme vous le souhaitez. Là, on peut mettre quand même pas mal de choses. Hein. Parce que moi, ici, j'ai quand même l'album du stage en double et il y a encore plein de place. Donc, on peut mettre vraiment beaucoup de choses. C'est assez sympa. Ça change un petit peu. C'est facile, ça se met facilement, vous pouvez facilement les ouvrir et les détacher, donc je trouve que c'est assez une reliure qui est franchement très très sympa. Donc voilà pour ça. Et le dernier élément, c'est les perles de résine. Je vous entends, j'arrive pas avec l'explication, mais je vous entends. Alors, vous savez que par rapport à tous ces produits-là, vous pouvez avoir le panier avec l'ensemble des produits du stage sans aucun problème, donc le tout ensemble des produits Osgore. Alors, bon, ben, on a été en rupture de stock des perles, donc le panier a été transformé, et le panier a été transformé puisque vous avez une, c'est le panne 441, si je ne me trompe pas, et donc qu'il n'y avait plus de perles de résine. Donc, on a transformé ce panier pour le transformer avec ça. C'est le panne, attendez, que je ne me trompe pas, le panne 441, et il était à 125€. Donc, pour avoir la totalité, comme on était à court de pastilles de résine et qu'elles sont annoncées mais qu'elles n'arrivaient pas, donc on vous a créé une nouvelle référence qui est le panne 441X, donc qui vous permet d'avoir ce panier qui est mis à 122€ et qui est avec le panier complet mais sans les perles de résine, d'accord? Alors bonne nouvelle, même si elles étaient, on n'arrivait pas à avoir les perles de résine, elles sont rentrées, elles sont arrivées, on ne va pas recommencer et remettre une autre référence. Par contre, on a créé la référence pour les perles de résine est mise à 3€ comme ça. Si vous souhaitez les perles de résine dans votre panier, il vous suffit de prendre la référence panier plus la perle de résine qui est mise à 3€ pour que l'ensemble fasse 125€ comme annoncé au départ. Ça va? Donc voilà, comme ça, je pense que c'est clair. Et comme ça, bon ben voilà, j'ai vu passer beaucoup de choses avec beaucoup de déceptions. Je peux vous dire que au niveau du stock, c'était aussi et la pauvre Nathalie qui se demandait quand le tout allait arriver puisque c'était annoncé que on est sur les starting blocks, on attend et ça n'arrive pas. C'est le problème résolu. C'est arrivé. Donc maintenant, vous pouvez les commander, mais vous me placez la deuxième référence en même temps. Ça va? Et donc vous ne perdez rien au niveau du montant, quoi que ce soit. Tout est la même chose. Voilà, le problème résolu. Tout va bien. On est content, hein? Voilà, j'espère. C'est tout. J'espère que tout le monde a bien compris. Oui. S'il y a quelque chose qui ne va pas, revenez vers moi, posez-moi la question. Sans aucun souci. Le petit bout, c'est plein de petits. Voilà, parfait. Alors, je n'ai pas dit non plus. Avec le panier, avec les produits fonds climatiques, vous avez bien évidemment des paniers aussi, des paniers avec des avantages, l'atout, etc. Donc, inévitablement, vous avez le tout et vous avez toujours, comme toujours, dans les paniers, vous avez le panier classique avec tous les produits sans les produits Big Shot et puis le panier que l'on appelle XL puisque vous avez tous les produits Big Shot compris, donc les casseurs de gaufrage et matrice de découpe. D'accord? Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Non? Alors, voilà. Oh, merci, c'est gentil. Donc ici, je vais vous montrer peut-être quelques réalisations. J'ai, bon, malheureusement, en cherchant un petit peu dans mes richesses, sur les pages avec les produits Osgore, malheureusement, il y a des choses que je ne peux pas vous montrer parce qu'il y en a beaucoup, mais avec des produits qu'il y a dessus, c'est pour le mois prochain, un petit peu pour tous les mois. Donc, je n'ai pas grand-chose. Je vais vous montrer simplement une page du stage. Je me suis dit, vous les avez vues, elles sont passées un petit peu
sur les réseaux au moment où on a fait ce stage. Donc voilà. Donc voilà un petit peu une idée par rapport une petite page toute simple qui est par rapport au gabarit. Donc vous voyez ici, ça c'était Sorde évidemment, et lorsque l'on place le gabarit avec la j'ai mon centimètre qui va venir se placer ici, et donc du coup vous voyez j'ai ma découpe qui se fait bien. Alors c'est sûr que quand je vous dis de faire la petite référence qui est ici en dessous, lorsque l'on utilise la forme entière, c'est pas très grave, hein, c'est facile, on repère relativement vite la découpe, ça va encore. Mais lorsque l'on utilise comme ceci ici, qu'on utilise qu'une partie, je peux vous dire que là on a utilisé une partie pour faire la découpe du feuillet et on a utilisé qu'une partie mais rien dans le bas pour pouvoir faire les découpes de la mise en page. Ben, je peux vous dire que lorsque l'on cherche et que l'on commence avec le gabarit, on tourne son gabarit dans tous les sens pour retrouver le bon endroit. Donc le fait de placer un petit mot comme ça, c'est valable avec plein de gabarits hein, aussi, mais le fait de placer le petit mot, un petit repère dans le coin, toujours au même endroit, comme ça on est sûr de savoir comment on le positionne, eh bien ça va vous aider et franchement ça va vous permettre de gagner du temps et de ne pas s'énerver surtout. Donc voilà, ici, et vous voyez que ici on a travaillé avec le washi tape, et là voilà le washi tape, ce que je vous disais, ici le washi tape a été placé à même la page, par contre ici on l'a doublé d'un papier de la couleur de la page de manière à pouvoir récupérer la même intensité de couleur. Alors ici on a les papiers imprimés où il y a un dégradé, vous voyez que là on a fait aussi ce sont les petites feuilles que l'on retrouve ici, vous voyez sur les petites feuilles qu'il y a sur le dessus, là on l'a replacé à plusieurs reprises avec des couleurs différentes et on a retravaillé aussi avec les deux branches qui sont ici et même sur l'intérieur du décor. C'est assez sympa. Et donc voilà, ici, pareil, là, vous voyez, la figurine silhouette, là, on a pu aussi retamponner avec la branche dessus. C'est des petites branches et des petites zones, et ça permet de faire aussi des petites choses assez sympas. Voilà, par exemple, une idée. Et puis, alors, il y avait aussi la page du Mardi Créatif. Vous êtes beaucoup à l'avoir vu. Donc, ici, on a travaillé avec ces produits-là. Donc, ici, on a travaillé avec le papier imprimé. C'est le papier imprimé, c'est le foncé et sur lequel on a mis de l'encre verte pour rappeler l'intérieur des photos. Là, c'est une étiquette. Et de nouveau, ici, vous voyez sur l'étiquette, on a pu tamponner à plusieurs reprises et en superposition, en jouant avec des couleurs différentes. On a pu travailler avec les petites branches, de nouveau, qui sont faciles à utiliser un petit peu partout, et le décor comme ceci, les arrondis, ça fonctionne aussi, c'est quelque chose qui est très bien et très facile à utiliser. Voilà une petite idée, hein, crois pas. Est-ce que vous avez des questions? Oui, merci pour l'idée du repère là, on le fait sur les pages, mais c'est vraiment comme ça qu'on va arriver à travailler le gabarit dans vraiment ces pages-là, donc... là sur ces pages là mais c'est valable aussi surtout des gabarits où on n'a pas. Il y a des fois où on voit bien la forme et elle se distingue bien, puis il y a des fois où c'est moins facile. Et c'est d'autant moins facile quand on prend qu'une partie de la forme. Quand on prend la forme complète, je veux dire, bon, ben, on peut le retourner dans plusieurs sens, mais on le retrouve relativement facilement. Mais quand on prend qu'une partie de la forme et qu'on a un décor un petit peu plus complexe, eh bien, ça devient un petit peu plus compliqué. Et ça, c'est vraiment un gain de temps et c'est vraiment très facile. Et on l'a vu au stage parce que quelque part, je dis, vous retrouvez quelque chose, parce que sinon, tout le monde va poser son gabarit, on va passer plus de temps à retrouver l'emplacement qu'à travailler vraiment. Mais c'est vraiment. Ça, franchement, ça vaut la peine. C'est très sympa. J'aime bien vous partager parce que je trouvais que l'idée était sympa. Donc voilà, par rapport à tout ça. Des bons produits, hein? Oui. Allez. Repartir vite en stage. Pas maintenant, je vous en parle après. Hein? Alors, voilà. Maintenant, donc là, on a fait tous les trucs. Il me reste à vous présenter la box. Et la box ici, on a la box qui est celle-ci, qui est la box qui est appelée mon signet. Donc là, c'est une box, on va l'ouvrir ensemble. Et donc là, vous avez un tampon, c'est un mini tampon avec de la texture. Vous voyez, il y a des textures, il y a des petits mots, c'est vraiment super sympa. Vous avez un effet texture ici, un petit peu un effet washi tape, là, comme ça, hein, en ligne. Vous avez par contre un autre décor qui vient se placer sans être en ayant des débordements par rapport au tout. Un effet texture ici et des petits mots très très faciles à placer, même sur un morceau de papier, sur une petite étiquette, sur tout ce que l'on souhaite. Ça fonctionne franchement bien. Alors, on a aussi, si vous avez du ruban, du cordon ciré noir, on a un mini encre noir. Vous avez des petites,
des scénettes prédécoupées, là de nouveau, super sympa aussi, où là vous avez de nouveau, c'est dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Donc je regarde, je le mets dans un sens, je le mets dans l'autre, il y a des fleurs qui vont dans un sens, les livres c'est pareil. Donc là aussi vous pouvez retravailler le tout, vous pouvez retamponner dessus, vous pouvez travailler le décor, les dégradés, donc si vous le souhaitez, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Un petit papier qui rappelle un petit peu les fleurs et qui rappelle des petites choses très tendres comme ça, qui rappelle un petit peu le petit, la petite ligne de fleurs qui est là. Donc ici on est sur un beige qui est un petit peu rosé quand on le voit à côté du blanc, mais qui est vraiment une chouette chouette couleur. Et puis vous avez aussi les couleurs ici dans un vert de gris qui est aussi très très sympa. Alors vous avez évidemment du papier et du papier épais là, du grammage d'une page, du papier de fond noir, vous avez du blanc également, et comme toujours vous avez un tuto pour faire différents modèles de ciné. Et il y a des choses qui sont vraiment très très belles que je vais vous les montrer en vrai, parce que j'en ai en vrai ici. Donc là voilà, voilà tout ce qu'il y a dans la box. Il faut savoir aussi que par rapport à tout ça, ce tampon-là, vous pouvez l'avoir aussi séparément si vous n'êtes pas abonné, si la box ne vous intéresse pas. Mais par contre, que vous aimez bien le tampon, vous avez la possibilité de l'acquérir bien évidemment, hein, séparément. Donc ça, c'est pour la box. Et là que je vous montre quelques cartes. Enfin, quelques signets. Donc voilà, on a des signets qui sont un petit peu différents, vous voyez. Ce qui est super sympa, c'est que vous avez le signet ici, donc vous allez pouvoir le mettre dans votre livre et vous pouvez l'accrocher de manière à ce que le dessus, le décor dépasse du livre, donc ça c'est super sympa aussi, ou pas, hein, vous l'entrez complètement. Ici, ce qui est sympa aussi, c'est que vous allez pouvoir l'entrer dans votre livre. Imaginons que c'est la page de mon livre, là, je vais entrer, je vais faire... Voilà, je vais arrêter ma page comme ceci. C'est aussi quelque chose de très sympa. Les décors sont magnifiques et les couleurs sont super belles. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Très joli. C'est beau, hein? Oui. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire des cartes si vous le souhaitez, hein? Parce qu'ici, on a une petite carte qui est créée avec l'ensemble. C'est super beau. Voilà. Joli, hein? Oui. C'est fin, c'est délicat. C'est fin, c'est tout, vraiment tout en douceur. Donc voilà, ça c'est pour l'EasyBox de ce mois-ci. Et puis on a aussi les produits, forcément on a les produits dans le catalogue club. Et donc dans le club, c'est un tampon diamant, je retourne pour voir, et là vous allez pouvoir voir, ça fonctionne avec votre activité, avec votre créativité, etc. Donc voilà, réunion créative, créatrice passionnée, voilà, il y a tout ce qu'on veut, je peux pas, j'ai scrap, la créativité, la intelligence qui s'amuse, ça c'est parfait. Hein? C'est vrai, c'est dit ça. C'est tout à fait vrai. Donc voilà, il y a plein de petites choses, et de petites choses on voit souvent. Moi, je vois souvent passer des photos avec que vous avez fait avec vos équipes, si vous êtes animatrice, ou même avec vos équipes, votre groupe pour lequel vous allez en atelier. Vous faites souvent des activités, vous avez régulièrement des photos, ou même vous avez des photos parce que vous avez participé à un événement au long. Donc c'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir mettre tout ça en page. Donc ça, c'est vraiment un chouette tampon, et que vous retrouvez évidemment dans le club, dans le Satou Club. Donc voilà, donc pour tout ça, voilà, n'oubliez pas qu'on est ici au mois de décembre et que vous avez toujours la possibilité, vous savez qu'il y a toujours la possibilité de gagner plein de choses, vous savez, toujours, vous savez que tous les box, les coffrets, etc. que l'on fait pour les fêtes de fin d'année sont toujours disponibles, et sont disponibles jusqu'à la fin de l'année. Vous avez aussi tout ce qui est... tout ce qui est l'action fidélité, donc vous connaissez le principe de l'action fidélité, vous avez déjà cumulé des points, donc chaque fois que vous achetez, je parle de produits achetés, hein, pas de cours, pas d'abonnement, pas de frais de port, etc. De produits achetés, une fois que vous avez une tranche de 40 euros de produits achetés, vous bénéficiez de 3 points, ces 3 points sont mis sur votre compte. Vous pouvez les cumuler ou les dépenser comme vous le souhaitez. Il y a toute une série de cadeaux qui vont de 3 à 15 points, donc par tranche de 3, 3, 6, 9, 12, 15 points, et puis alors vous choisissez ce que vous voulez quand vous le souhaitez. Lorsque vous passez une commande et que vous savez le nombre de points que vous avez, n'hésitez pas à commander ce que vous voulez, parce qu'il est bien évident qu'une fois il y en a, il y a de tout, mais à un moment donné, ben, on arrive à court de quelque chose, bon, ben, il faut se rabattre sur un autre produit. Donc c'est pour ça, n'attendez pas, lorsque vous avez atteint le nombre de points que vous souhaitez pour avoir le produit que vous avez envie, ben, vous le commandez à votre proche avant la commande suivante. D'accord? Donc là, c'est quand même c'est aussi quelque chose qui est vraiment très très chouette, et il y a de très très chouettes produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces produits sont des produits exclusifs, que
ont été créés exprès pour tout ça et on ne fait plus. Au début, on a fait des produits qui étaient des produits de Noël, maintenant, ce sont des produits qui sont valables toute l'année. Hein. Vous avez aussi bien du papier, du washi tape, vous avez des tampons, il y a bien un ou l'autre qui fait un peu penser à l'hiver plutôt qu'à Noël, mais tout le reste, non, vous pouvez travailler avec différentes choses. Donc voilà, il faut savoir que ça, c'était valable depuis déjà un bon moment et c'est valable, vous pouvez commander tout ça, vous pouvez gagner plutôt des points jusqu'au 15, ici, le 15 décembre. À partir de ce moment du 15 décembre, vous n'aurez plus la possibilité d'accumuler des points, mais les points qui sont sur votre compte sont évidemment disponibles et seront disponibles jusqu'à la fin du mois de janvier. Si à la fin de janvier, vous n'avez pas commandé, ils vont s'éliminer. D'accord ? Donc, vous avez quand même, ça vous donne un mois et demi pour pouvoir recommander les produits que vous souhaitez. Donc là, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas, vous avez encore, tous les commandés jusqu'au 15, vous allez encore bénéficier de points. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a aussi, ici, nous sommes en pleine période de Saint-Nicolas. Donc, Saint-Nicolas, c'est jusqu'au 6 décembre. Le 6 décembre, c'est le jour de la Saint-Nicolas. Donc, hein? C'est demain. Hein, voilà, on est demain déjà, ça c'est demain. Ah mince, ah oui, voilà, mais oui, c'est déjà demain. Enfin bon, bref, c'est pas grave parce que c'était déjà annoncé depuis, je me rends pas toujours bien compte dans le truc, donc voilà. Donc ça faisait quelques jours. Hein? T'as pas mis tes pensées. J'ai fait Saint-Nicolas, je ne suis pas là ce week-end, moi, je suis ici. Ah, hein? Voilà. Donc j'ai fait Saint-Nicolas dimanche dernier, moi, tu vois, chez moi. Saint-Nicolas est passé dimanche, oui, voilà. Donc c'est ça que je le sais. Ben, il n'a pas le choix, hein, c'est ça où il vient pas. Voilà. On ne choisit pas toujours ce qu'on fait. Sinon, il croise vers Noël. Sinon, il va. Ben oui, non, après, c'est trop tard. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai plus toujours la notion du temps. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, vous avez vu passer le truc. Donc il faut savoir que jusqu'au 6, jusque demain soir, ainsi, pour toute commande passée, si vous atteignez 50 euros, vous aurez droit à une petite bouteille ici avec des Smarties, qui est super sympa aussi. Et donc là, et c'est, ici, on voit, et les Smarties sont. Imprimé ou non. Azaizi bleu et rose. Donc voilà. Donc là vous les aurez dans votre Colère, parce que je ne sais pas. Ah voilà. Donc là voilà, vous voyez que ici on a là les roses sont imprimées Azaï. Voilà. Vous ne cassez pas, c'est comestible. Hein. Et je vous confirme qu'on a déjà mangé quelques Izzy pour les bleus. Donc voilà, donc ça, si vous avez, c'est jusqu'au 6. Malheureusement, on se voit aujourd'hui, on est le 5, j'oublie la date. Mais bon, c'est depuis le début de la semaine. Donc ici, jusque demain, vous aurez ça dans votre colis si vous atteignez un montant de 50 euros. Donc, en plus du reste, bien évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah, j'ai peut-être encore une chose ou l'autre à vous montrer par rapport. J'ai encore ici une page ou l'autre que j'ai trouvée. Voilà, ici. Là, vous avez une page où on a travaillé avec les produits du coffret Monsignet. Donc là, vous voyez, on a mis sur un papier de fond et avec de l'encre Stazone blanc, on a imprimé le tampon texture. Ensuite, on a remis un petit cadre, un cadre plus grand qui vient en dessous, la peinture pailletée cuivre tout autour et puis des petites perles, c'est super sympa. Là aussi, voilà quelque chose qui est sympa aussi et on a le papier imprimé aussi. Hein. Donc ici, pareil, vous avez le papier imprimé avec les fleurs de la box. Vous avez, là, on a tamponné sur un morceau de papier et puis on a détourer l'élément en plaçant, on a tamponné l'effet texture, on a mis de la peinture pailletée argentée, il y a un mélange d'argent et de noir tout autour pour mettre un petit peu de peinture pailletée comme ceci. Là, une figurine prédécoupée, on a replacé ici le tampon, une petite rondelle, une ficelle noire, une perle et ouf, le tout est joué, c'est magnifique. Hein. C'est super joli. Ou voilà pour un thème un petit peu plus printanier, où là, on a le papier imprimé, on a détouré une fleur du papier imprimé, une figurine, une sellette prédécoupée avec un tampon qui est placé dessus, et puis alors un petit peu de fleurs décorées, et le tout est joli également. Parfait. Donc voilà, des petites idées donc, à pouvoir placer tout ça, tout ce que vous avez dans les box, bien évidemment. Si on les conçoit les box pour faire, parce que c'est un thème et que c'est assez sympa pour faire un signé, il est bien évident que tous ces produits-là, vous pouvez les utiliser pour faire des cartes, pour faire tout ce que vous voulez, faire des décos, pour faire tout ce que vous avez envie, et forcément des pages aussi, donc sans aucun souci. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est super, ouais. C'est beau, c'est voilà, plein de choses à oublier, plein de conseils, oui. Voilà. Alors, bon, ben voilà, je sais bien que vous êtes nombreuses à attendre. Il n'y a plus beaucoup à dormir avant de savoir où on va partir au mois de juin. Hein? Où on va partir en stage, je ne dirai rien. Elles n'ont qu'à analyser le frigo.
Elles n'ont aucun analysé de frigo. Pour celles qui comprennent le poste de Bernard. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a eu beaucoup de suggestions, évidemment. On a pu lire toutes les destinations. Moi, j'ai voté. Hein. Montréal, Vienne, ou... C'était quoi que j'avais voté? Je ne sais plus. Las Vegas, je crois. Las Vegas, bon. Las Vegas, on est, c'est on bien. Ben, moi, je suis d'accord. Hein. C'était sur le frigo. Bah, c'était sur le frigo. C'était sur le frigo. On ne va pas aller à toutes les destinations qui sont sur le frigo non plus. Non. Mais... Las Vegas. Allez, Las Vegas, à Las Vegas, Montréal, moi, ça me convient. Hein. Allez, d'accord. Il y en a une qui m'a répondu c'est cher, j'ai failli lui répondre, je ne sais pas. Moi non plus. Donc voilà, donc il y a plus longtemps à attendre, les animatrices vont savoir tout ça samedi, donc vous serez informés et vous aurez quelques jours avant de voir et on vous dira quelle est la date pour pouvoir avoir les inscriptions, mais ce ne sera pas samedi. Donc voilà, donc vous aurez le temps de pouvoir cogiter, réfléchir et pouvoir discuter avec votre entourage avant de pouvoir vous inscrire. Mais bon, j'espère que vous serez nombreux, on change un petit peu la date, parce que pour des raisons autres, c'est très bien aussi, ça va faire un petit peu une autre période, pourquoi pas, c'est toujours très sympa. Je sais que vous êtes... Ça ne pas venir de venir. J'ai envie déjà trop, Dominique. Pourquoi? Non, c'est déjà passé. Non, les dates, c'est passé. Hein. C'est passé sur les réseaux. Ah. Hein. C'est déjà passé. Ça a été annoncé au stage et c'est passé sur le réseau. C'est pas moi qui l'ai dit. Oui, hein, c'est voilà. Vrai, c'est hein. Ça a été annoncé, tout le monde l'a signalé. Hein. Ah, donc voilà, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Hein. Et j'ai des témoins, tout ça qui était au stage, sauf que je n'ai rien dit. Tu n'as rien dit. Non. Je n'ai rien dit. Là, je ne fais que répéter ce que Bernard a dit à tout le monde. Oui. Hein, voilà. Donc voilà. Donc il y a plus longtemps à attendre, samedi. Pour toutes les animatrices, on se retrouve nous samedi après-midi, vous allez avoir la cachot le matin, on se retrouve l'après-midi pour faire une page ensemble, donc j'espère que vous allez être nombreuses à participer à tout ça. Je serai là. Hein? Et notre petit Juju sera là aussi. Et toi, tu le feras aussi? Tu vas travailler aussi? Allez, on se surveille, on va te mettre une caméra chez toi, comme ça on va surveiller. Moi je vais lancer l'ouverture des nouveaux produits aussi. Ah oui, c'est ça, t'as du taf le matin. Aussi, ouais, hein? Voilà. Et le samedi c'est pas un jour de semaine, on peut prendre des bulles avec un peu? On peut, merci. Une page de scrap avec des bulles. On peut, viens un peu plus tôt. Ça porterait des bulles. Ça va. Donc voilà. Donc, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va vous libérer. Nous, en tout cas, on se retrouve début janvier avec les nouveaux produits, mais d'ici là. Alors, Julien et Nathalie se joignent à moi et au nom de toutes les personnes qui travaillent pour Asa, nous vous souhaitons de très très bonnes fêtes de fin d'année et on espère se retrouver début janvier en forme, hein, voilà, que vous reposez-vous un petit peu, hein, parce qu'on sait bien que c'est des périodes où on fait fort la fête, on aime bien, hein, et reposez-vous un petit peu et puis on se retrouve début d'année en forme, ça va? Voilà, pour celles qui font partie du réseau, je vous dis à samedi et pour les autres, je vous dis au mois de janvier. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne fête, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.